Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr. Alors, ce vendredi 23 décembre, direction l'hippodrome de Vincennes, avec une réunion intéressante qui nous attend. Vous le voyez, une semi-nocturne avec la première course à 16h38. Un quintet plus et The 5 à 20h15. Moi je me suis intéressé à la cinquième course du programme. Hein. C'est le deuxième euh, Pic 5 euh, qui sera également support de The 5 chez notre partenaire, le prix d'Amboise. Euh, une compétition euh, pour des juments de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 220 000 euros. Un lot très intéressant, elles hein. ne sont que 11 euh, au départ, 2700 mètres à parcourir euh, sur la grande piste euh, de Vincennes, hein, le parcours classique, bien entendu. On va faire un petit point euh, sur les partants. Voilà, vous avez, vous avez le, le tableau. Moi je n'ai retenu qu'une seule candidature, ce sera euh, le numéro 8, hein, euh, Gay Speed. C'est vraiment une une jument que j'adore, que je vous ai déjà d'ailleurs conseillé dans cette émission pour ceux qui me suivent depuis un moment. Du coup, la dernière fois c'était vraiment pas mal. Elle n'a pas été très très chanceuse. Regardez très vite aux avant-postes. A joué de malchance un moment avant de bien terminer. C'était sa deuxième course après plusieurs semaines d'absence. Vous le voyez, ça c'était une rentrée en un 24 novembre. Auparavant, elle n'avait pas couru depuis le 20 août. Du coup, trois mois d'absence. Une jument qui a de la tenue. Je la préfère parfois sur plus court, mais c'est vrai qu'elle a couru des lots. Très, très intéressant. Elle hérite d'un bel engagement, hein, vraiment. Euh, ça me plaît beaucoup. Elle est revenue à Vincennes avec de, de, du bon moral. On regardait cet été, c'était vraiment pas mal, en battant Gold de Mancourt, notamment, Grande de Ranchi. Euh, Ici, elle battait Gal Baraja, un très bon cheval, hein, chez Romain de Rieu, ou corgagnon de de Benoît, Flower by Magalou, euh, vraiment, elle a des références à faire valoir. Bon, c'était à Anguin, mais elle est capable, euh, comme elle l'a prouvé par le passé, et même la dernière fois qu'elle faisait la grande piste de Vincennes, une 14-2, euh, voilà, déféré des quatre pieds. Euh, il y avait 15 contre 1, je pense qu'il y aura moins cette fois, hein. il y aura peut-être 4-5 contre 1, mais en tout cas, euh, c'est vraiment une jument qui est dans sa catégorie, qui découvre un engagement de choix, hein, comme vous le voyez. Euh, rien à ajouter, défaire des quatre pieds. Euh, si elle a le bon parcours, à mon avis, elle ne devrait pas taper loin. Euh, moi en tout cas, je ne la vois pas sortir des trois premières euh, cette fois-ci. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous la conseille. Donc voilà, ce sera le 508 Geisha Speed à jouer 1€ gagnant et 3€ placés de mon euh, côté. Euh, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également euh, ce mercredi. Hein, C'était du côté de Vincennes, je vous indiquais un jumelé gagnant placé, hein, une course au trop monté. Euh, on est deuxième, troisième. Euh, ça m'aurait pas été, dé... ça m'aurait pas dérangé d'avoir été battu par un cheval que j'ai pas retenu. Euh, S'il avait été joué, hein, Dorgali ou euh, Esperanza Idol. Maintenant, j'ai été battu par Dénicheur du Vif, un cheval qui était à 64 contre 1. Du coup, on touche un jumelé placé. Hein. Euh, vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran. Ça fait longtemps que je voulais pas montrer euh, pour vous prouver que moi aussi, je joue ce que je dis. Et c'est vrai que le je me les placé rapporte 4,10€, donc voilà bon 6 euros de jouer de mon côté récupérer 4,10€, bon c'est pas extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. C'est frustrant de tomber sur un cheval euh, qui, avant le coup, semblait quand même euh, pas détenir une première chance ou en tout cas euh, ne semblait pas être capable de battre les chevaux euh, que je vous ai indiqués. Voilà pour euh, le petit point. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition euh, de Un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, euh, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Euh, sachez également que nous sommes en partenariat hein, avec TheTurf.fr qui vous offre, comme vous le voyez, Jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profitez, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Je vous souhaite d'ici là de bons jeux à tous. Bye bye.